電車で GO! Eh ben salut, c'est Sylvain. On va faire un petit truc nouveau aujourd'hui. Je me suis dit qu'on parlait beaucoup de chemin de fer sur Twitter. On parle de réel, on va faire un peu de simulation. Enfin, de simulation, c'est plus un jeu. On va parler de quelque chose de très dépaysant. C'est le jeu Densha Dego Shinkansen, qui est sorti sur Wii, pas la Wii U, la Wii tout court, en 2007. Qui est un jeu de chez Taito, qui est une vieille boîte japonaise à qui on doit pas mal de choses, genre Tiger Ali, Bubble Bubble. Enfin, plein de vieux jeux qui parleront à des vieux joueurs. Donc je m'étais dit que là, ben pour faire autre chose que de parler de photos de train, on allait faire s'amuser aussi avec du train, mais avec ce jeu. Donc jeu sorti en 2007, qui représente donc la queue, les trains à grande vitesse japonais. Donc on est sur la donc Shinkansen voulant dire ligne à grande vitesse. On est sur la Sanyo Shinkansen, donc c'est la partie du Shinkansen qui part d'Osaka et qui descend jusqu'au sud du Japon, un peu plus loin qu'Hiroshima, j'ai plus en tête exactement, ça doit être à Kata. Donc là-bas on est sur le menu principal du jeu, alors on a déjà une belle intro que je vous ai laissé passer. Alors pour ceux qui voudraient prendre le jeu en main, à savoir que c'est un jeu japonais, donc il faut une Wii qui aura été soit une Wii japonaise, soit une Wii craquée pour pouvoir passer le CD. Donc on a le mode principal Driving Mode qui est un mode carrière avec des points, on a un mode au-dessus, un mode Free Run qui correspond donc à un trajet libre, on choisit son train, sa gare de départ, sa gare d'arrivée et ça roule. On a un Kids Mode qui est un mode simplifié pour les enfants. On a déjà un truc très rigolo, c'est le Museum Mode. Alors vous voyez là-dedans, c'est le coin du passionné de train. On a une rubrique de photos. Ouais, on a différents Shinkansen. Bon, je suppose qu'il y aurait peut-être des informations intéressantes, mais malheureusement c'est en japonais. Ouais, on a une jolie petite musique et puis on fait passer les photos des différentes versions de RAM Shinkansen. Ensuite on a un mode Train Model, donc on peut voir les modèles 3D qui ont été réalisés pour le jeu. Voilà, donc là un Shinkansen de série 0, donc ça c'était les toutes premières RAM, celles qui ont été mises en service en 64 pour les Jeux Olympiques. Hein. Qui roulait à l'origine à 210 km/h, sachant qu'aujourd'hui, sur la ligne, on atteint même les 320. Ça a été comme chez nous, la vitesse n'a fait qu'augmenter. Donc voilà, on retrouve les modèles 3D pour différentes séries. Alors ça se débloque au fur et à mesure du jeu. Hein. Là, moi pour l'instant, j'ai pas beaucoup joué. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Le mode Train Movie, donc qui reprend 7 films, donc pareil, j'ai rien débloqué encore, à part le premier qui est le film d'intro que vous avez déjà vu. Voilà, là vous avez les sons du jeu différents, bon, il n'y a rien de bien folichon à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Alors, bah écoutez, ce que je vous propose, on va aller au rapide pour que vous ayez une bonne idée du jeu. On va faire le tout premier... le tout premier train du Driving Mode, c'est-à-dire ce qui correspond au tuto. Voilà, donc c'est un Shinkansen de la série 700 livré Ristar. Donc le Ristar, c'est ceux qui effectuent des services, quasiment les services les plus rapides. À savoir, sur la ligne, on a trois services principaux. On a les trains qui sont nommés Kodoma, qui font tous les arrêts de la ligne. On a les trains Ikari, qui font des services partiels en s'arrêtant à un nombre de gares un peu plus réduit. Et on a les services, vraiment le service de luxe, qui est le Nozomi. Qui tourne lui avec les rames généralement les plus modernes, qui est à pleine vitesse et qui va faire que 2 ou 3 arrêts sur toute la longueur de la ligne. Donc là on est parti pour quelques kilomètres. Alors c'est pas de la simulation, hein, c'est vraiment du jeu. Donc faut pas s'attendre à quelque chose d'aussi poussé que pourrait être Train Simulator 2015 par exemple. Là c'est vraiment du jeu d'arcade. Hein. À l'origine d'ailleurs c'est un jeu qui est sorti en 95 sur arcade. Voilà, donc là on nous explique vaguement le principe de fonctionnement. Je vais vous le faire en français, ça va aider. Donc on nous parle des vitesses limites, des points à gagner. Voilà, donc en haut à gauche on a donc les horaires prévus de départ d'arrivée. En bas à gauche on a donc à droite ce qui est en rouge pour l'instant sont les différents crans de freinage du train. Et ce qui est en zone grise, là aussi en arc de cercle, sont les différents crans d'accélération.
les distances à la prochaine gare, la vitesse actuelle du train qui est en jaune, la vitesse en vert, par contre, ça correspond à l'ATC. Donc l'ATC, c'est l'équivalent du KVB français, pour ceux qui connaissent. Donc c'est le contrôle de vitesse, c'est-à-dire que ça va nous donner la vitesse limite observée sur la partie de ligne où on se trouve. Donc là, on a un petit résumé de l'ATC. Voilà. Sur les lignes classiques, on nous explique en haut qu'on a des feux pour donner les vitesses. Ici, sur les lignes japonaises, on a du signal en cabine, hein, comme sur les TGV français. Donc là, vous voyez le train en bas, on a un 220 à l'ATC, il roule pour l'instant à 201 km/h, donc en dessous de la vitesse limite, tout se passe bien. Et on nous montre que s'il dépasse les 220 km/h, ça va déclencher un coup de freinage pour ramener en dessous de la vitesse de l'ATC. Là où en France, par contre, le KVB ferait ce qu'on appelle une prise en charge, c'est-à-dire qu'il fait un freinage d'urgence et il arrête complètement le train. Allez, là on va avoir le signal de fermeture de porte, donc les portes sont fermées. On peut retirer l'écran de freinage et on peut commencer à accélérer. Donc juste un cran pour décoller le train. Et on entend le conducteur du train, procédure de sécurité japonaise, qui verbalise tout ce qu'il a à faire. Donc il redonne la vitesse limite, il donne l'heure de il confirme son départ à l'heure de la gare. Tout se fait haute voix au Japon, hein. Chez nous on n'a pas tellement ça, mais eux c'est une procédure qui s'appelle, si je me trompe pas, le Shizakenko. Voilà, là il vient d'annoncer donc la vitesse limite à 120 km/h, hein. Il le dit à haute voix pour l'observer. Et sur une ligne classique, tous les signaux qu'il croiserait, pareil, hein, il désigne le signal avec le doigt et il dit à haute voix ce que ça représente. Ça fait partie de la procédure de sécurité pour pas se louper. Donc là, on va commencer à accélérer un petit peu plus. Alors là, dans le tuto, ce qui est pénible, c'est qu'on n'est pas très libre, elle nous demande régulièrement de faire des actions. Hop, allez, on va remettre à 6 crans d'accélération. Donc là, la TC, 120 km/h maximum, on a 104, 105, ça monte doucement. On voit en bas à droite la distance à la prochaine gare qui réduit. En haut à gauche, au-dessus du compteur de vitesse, on a donc la signalisation à venir, donc on va pas tarder à atteindre une zone à 170 km/h. Donc là on va réduire effectivement la traction pour pas dépasser les 120. Allez, on arrive à la zone à 170. Allez, 170 km/h, on rajoute de l'accélération. Je pense que j'en ai mis trop, pas tarder à me parler, voilà. Allez, 230 km/h, vitesse limite. On met tout en avant. Donc là, les rames Ristar, donc Shinkansen 700, celles-là sont limitées à 275 km/h ou 280, je crois que c'est 275. Donc là, on va arriver à la vitesse limite au prochain changement ATC. Tac, allez, on est libre, 271 km/h, on va laisser monter. Donc vous voyez en bas à droite, on a la distance à la prochaine gare qui réduit. Encore à droite, on a cette petite échelle là qui part du vert en haut jusqu'au rouge en bas avec un good et un bad. Ça en fait c'est la satisfaction des clients. Donc ça c'est le but du jeu, c'est de pas tomber à zéro. Parce que là c'est game over à zéro. Allez, on rentre en tunnel et la prochaine vitesse limite, 285 km/h. Toujours le conducteur donc qui annonce, hein, les vitesses limites. Allez, ça monte. Oui, on est à 4 km de la prochaine gare, hein, donc en fait là c'est juste le temps de faire une montée en vitesse, un freinage, un arrêt. Hein. Le tuto c'est vraiment le basique. Alors là, le petit signal qui vient d'apparaître en bas de l'écran là avec les petites barres blanches, ça donne l'inclinaison de la ligne en fait, le profil de la ligne. Donc là, on a la barre noire qui était en haut, dirigée en haut, la barre blanche en bas, ça veut dire qu'on est en pente. Maintenant, on vient de passer d'une barre blanche horizontale, on est revenu donc sur la ligne est de nouveau à plat. Donc ça, faut jouer pour tenir la vitesse limite, faut beaucoup jouer avec. Hein. Quand on est en montée, faut pas hésiter à remettre un peu d'accélération. Et dès qu'on est en descente, c'est-à-dire en rampe, il faut enlever de la traction.
Alors là, on nous demande de couper la traction. On va arriver sur le début de la séquence de ralentissement. Donc là, on est toujours à 285 vitesse limite. Ah non, je vous ai dit une bêtise, c'est pas l'arrêt. Là, on va faire un passage en gare. Et on est à 47 secondes. On a 3 secondes de retard. Et toujours le conducteur qui fait le point sur son heure de passage, sa vitesse limite. Et là, ça y est, on est en rampe, hein, ça monte, donc on remet un peu de traction pour maintenir les 285. Pour vraiment réussir à tout le temps être à l'heure, c'est vraiment d'être, quand on veut être 285 de vitesse limite, il faut être à 285. Il faut vraiment tenir ça de très près. Donc on passe son temps à mettre de la traction, enlever de la traction. Alors, le point sur la séquence de ralentissement. Voilà, donc on va passer par une séquence à 170 à l'ATC, ensuite une séquence à 120. Temps, 285 à l'ATC, on est toujours bon. Alors, on va avoir une première séquence à 275. Elle nous demande d'accélérer alors qu'on arrive à une séquence plus basse, mais c'est original. Ah, pénible, là, c'est pas ce qu'elle veut. Allez, 6 de freinage, c'est un peu beaucoup. Ah, voilà. 269. On en remet un peu pour reprendre de la vitesse. Allez, la séquence à 230, donc on coupe la traction et on remet du freinage. C'est un peu bizarre, hein. On nous demande d'en enlever, d'en remettre. On peut faire ça de façon beaucoup plus fluide quand on est dans le jeu libre. Allez, 170. Allez, bon. Et entre temps, donc on a le conducteur qui a annoncé l'arrivée en gare de Fukuyama. Allez, 70 km/h de vitesse limite, un petit coup de frein. Et ça continue de descendre. Après aussi un début pour réussir à bien tenir les vitesses limites, enfin tenir les horaires, c'est d'essayer d'arriver là au 70 pile au moment où on tombe sur la limite de l'ATC. Parce que là vous voyez, je vais être à 70 nettement avant. Donc il y a moyen de gagner en performance. Pour la tenue de l'horaire, on peut faire nettement mieux. Alors là, on nous rappelle qu'on a 8 voitures et qu'on arrive en gare de Fukuyama. On va prendre les aiguilles en voie déviée pour entrer sur la voie à quai. Ça rappelle vraiment les gares TGV qu'on peut connaître en France. Allez, prochaine limite de l'ATC, 30 km/h. On est à 500 mètres de la gare. Voilà, l'aiguille qui se prend à 70. Un petit coup de frein. Allez, on est à 30 km/h.
tout. Maintenant, ça va être de bien gérer l'arrêt, parce que alors là, on est dans le jeu de précision, c'est qu'il va falloir s'arrêter pour faire du maximum de points. Il faut s'arrêter à l'heure, si possible à la seconde, et pour bien faire, au centimètre près. Donc là, c'est là qu'est le grand jeu. Alors évidemment, elle me laisse pas faire tout seul. J'ai mes petites habitudes, mais là, voilà, allez, un cran de freinage. Allez, on est à 28 mètres. Ouais, pas terrible là. Je vais m'arrêter trop tôt là si je l'écoute. Et voilà, on a la distance d'arrêt, donc en bas à droite 11 cm et en haut on voit qu'on est 3 secondes de retard. Donc 11 cm par rapport à au point repère prévu d'arrêt. Voilà, le tuto est fini. Donc on va voir vite fait, on va faire un autre train vite fait, on va prendre un service Kodama pour avoir un arrêt assez rapidement. On va faire une petite séquence libre. Parce que alors là comme ça, bon ça paraît un peu... Ça peut être vite monotone, mais en fait il y a des petits défis entre les stations des fois, donc tenir un horaire à un point de passage ou tenir une vitesse précise. Donc là, si je me trompe pas... Voilà, on a un Shinkansen de la série 0 pour un service Kodama, donc là on va faire tous les arrêts. Donc là c'est accélération freinage, c'est presque du TER. Hein. Voilà, donc là juste avant le départ. Alors là en plus par rapport au tuto, on a les voies, tout ce qui accueille passagers annonce sur le quai. Donc l'ATC nous donne 70 km/h de vitesse limite. Et on attend le signal de fermeture des portes, qui va pas tarder. Allez, hop, un cran d'accélération, dessert, les freins. Alors là par contre par rapport au RAM Ristar, on voit que c'est les Shinkansen de première série, hein, donc qui sont limités en vitesse maximale et nettement plus poussifs à l'accélération. Allez, on va mettre, maintenant que le train est décollé, on va en mettre pas mal d'accélération. On nous rappelle qu'il ne faut pas dépasser la vitesse prévue à l'ATC, c'est une bonne idée. Allez, pleine accélération. On va essayer de tenir l'heure au premier arrêt. On ne devrait pas tarder à voir les annonces d'accueil. La voilà. Voilà, bon, je vous interromps les annonces d'accueil. Vous voyez là à droite, on a apparu une heure avec un plus 0,5 en dessous là, et puis une distance. Donc là, au point qui est prévu au bout de cette distance, il faut qu'on soit là. J'ai 4 secondes de retard, donc on va essayer de tirer dessus au maximum et je le reprendrai pas. Voilà, j'ai fait 4 secondes de retard à cet endroit là, et en même temps, je me fais prendre par l'ATC à avoir voulu trop jouer. On va reprendre des 120 km/h de vitesse limite. Donc les annonces d'accueil en japonais se terminent, on va voir les annonces d'accueil en anglais. Before arriving at Hiroshima Terminal.
Alors, un autre petit défi entre deux gares, hein. Donc là c'est de tenir les 185 km/h. J'ai encore 400 mètres, là ça devrait pouvoir à peu près le faire. Allez, 4, 3, 2, 1. On coupe la traction. Et voilà, gagné. Donc ça fait un peu de bonus sur le score à la fin. Donc on a ce genre de petits jeux idiots, hein, régulièrement entre stations. En plus donc du score qu'on peut faire avec des arrêts précis au niveau horaire et distance. Donc là on a la vitesse maximale autorisée pour ces rames là, donc à 220 km/h. Donc là on est à les freins lâchés, pleine traction. Il nous reste 5,5 km pour la prochaine arrêt. C'est parti. Allez, on croise une rame de type 700. Et alors là quand on n'est pas dans le tuto, donc on peut jouer avec le sifflet. Faut pas trop en abuser, les passagers n'aiment pas au bout d'un moment. On a une vue cabine qui est très fidèle à l'original, c'est-à-dire très rustique. Et une jolie petite vue extérieure, hein, pour de la Wii, c'est pas mal. Et là, on a l'hôtesse qui annonce en japonais le prochain arrêt. Allez, là on est en descente, vous voyez le profil de ligne est en pente. Et on a le freinage à 170, là. Il faut freiner fort pour y arriver, parce qu'en plus d'accélérer peu, ces rames freinent mal. Et je me suis fait reprendre à l'ATC, vous voyez, je suis particulièrement mauvais. Hein. Donc à parler et jouer, faut pas le faire. Allez, 70 de vitesse limite. On croise une rame Ristar. Donc on nous rappelle qu'on est avec une composition de 6 voitures. Allez. Donc en général j'essaie de me caler à peu près à 60 km/h pour le franchissement de l'aiguille. Et alors après on va tout jouer au serrage et au desserrage pour essayer d'arriver à peu près précis. Je dis bien à peu près. Allez, à l'attaque du quai, on remet du freinage. Voilà, donc là on va relâcher, on va essayer vraiment d'arriver à 30 piles à la zone limitée à 30. Tac, un peu trop tôt. Je suis très mal parti, voilà, j'ai bouffé complètement mon arrêt. Et en plus j'ai fait trop fort, très mauvais pour le confort. On a raté là complètement. Une petite vue extérieure à chaque arrêt. Pour le plaisir des yeux et un récapitulatif des différents bonus obtenus. Félicitations, vu l'arrêt, il n'y a pas de quoi. Hein. Voilà, donc on a la carte de la ligne qui nous reprend le prochain arrêt. Allez, vitesse limite 70 km/h. On attend la fermeture des portes, on relâche les freins, et on est parti. Et voilà, donc on est reparti pour le prochain arrêt. Sortir de là, hein, on va pas faire le train en entier. Que je me souvienne comment on sort, parce que alors, les menus en japonais, non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Voilà.
Ah non, c'était pour recommencer. Rater, c'est pas ce que je voulais. Et bah ça devait être le deuxième. Et bah voilà, c'était tout bêtement le deuxième. Allez, un petit œil avant de vous laisser là-dessus, sur tout ce qu'il peut y avoir dans commission. Donc là on était sur un service Kodama, là on a un service Nozomi, donc à l'époque c'était assuré par les RAM 500. Donc là c'est vraiment le service express, hein. Il doit y avoir que deux arrêts sur toute la ligne. Là après c'est quoi ça? Ça c'était un service Ristar, donc un Mikara du type Ikari. Là on a du Shinkansen 100, la série suivante, hein, sur un service court. Et on va toucher aussi au RAM Shinkansen 300. Hein. Donc on a vraiment là à peu près tout ce qui se. Quasiment tout ce qui roule, même encore aujourd'hui, de Shinkansen sur la Sanyo Shinkansen. Les séries 700. Ah bah là j'ai fait le tour. Vous voyez, donc on a. Là on a déjà combien de missions? Ça en fait 7 là. Après on a à débloquer au fur et à mesure de l'évolution dans le jeu. 13, 14. Alors voilà, on a 18 missions là à débloquer petit à petit. Il y a de quoi faire. Hein. On a 18 services encore là. On en a encore ici 18. Hein, donc ça en fait 36 plus les 7 d'origine. Vous voyez, il y a de quoi s'occuper un bon moment. Hein. Donc le jeu peut se trouver. Donc je dis, il faut une Wii, soit qu'il soit craqué, soit qu'il soit une Wii japonaise. Et le jeu peut se trouver encore, il se trouve sur eBay, sur Amazon Japon, alors après c'est pas toujours évident de se faire livrer. Sur eBay on arrive à le trouver, faut essayer d'être patient parce qu'il y en a qui, vu la rareté en Europe, vu que Taito n'a jamais sorti en Europe, il y en a qui essayent d'en profiter à le vendre 70-80 euros. On arrive à le trouver pour une quarantaine d'euros, donc c'est pas, ça peut être pas trop excessif, et ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, bah écoutez, on aura fait cette petite vidéo là pour une première, pour parler de train un peu autrement, et puis on verra, on reviendra certainement sur Denshadego si la formule vous a plu, parce que j'en ai une version sur PC aussi, qui est très fournie sur PC, puisque en fait celle qui est sortie sur PC, qui s'appelle Denshadego Final, elle reprend en fait 4 Denshadego sortis sur console, avec, là il y a une multitude de trains, de services à effectuer, enfin il est monstrueux celui-là, il y a de quoi jouer, mais il y a des heures de jeu. Et cette fois, on sort complètement de la Shinkansen, on est sur des lignes classiques, il y a de la ligne un peu banlieue de Tokyo, c'est vachement sympa à jouer aussi. Voilà, bah, j'espère que ça vous a bien plu, puis dites-moi, laissez des commentaires, hein, si vous voulez qu'on parle d'un autre jeu de train, on pourra parler aussi, si vous voulez, Train Simulator 2015, il y a des tas de jeux de train à parler. Voilà, allez, à une prochaine.